pays où vous avez aujourd'hui près de 6 millions de chômeurs, de voir souvent des jeunes de quartiers défavorisés qui sont au boulot, qui gagnent bien leur vie et qui sont fiers de le faire. Mais non, vu qu'apparemment Uber, c'est un but lucratif, hein, ça crée des emplois. J'avais besoin de plus de temps et de meilleurs revenus. Des emplois à 6 euros de l'heure, donc en dessous du SMIC. Je suis totalement libre, Uber ne m'impose rien. À l'heure actuelle, chez Uber, la journée de connexion chez Uber de 10 heures, c'est 80 euros. Donc, c'est-à-dire, ouais, là j'ai enlevé les 20%. C'est-à-dire que ça nous fait un peu moins de 8 euros de l'heure, voiture fournie, gasoil fourni. Voilà. On fournit même des bouteilles d'eau à ce prix-là. Ah, c'est terrible. Donc... Le fait d'être son propre patron, de créer sa société, on n'a pas un patron derrière nous qui nous dit quoi faire. On se voit évoluer et professionnellement et financièrement aussi, forcément. Comme quoi... De toute façon, ils vont vous dire que le meilleur chauffeur fait 1800 euros. Alors, une autre chose, c'est que le chauffeur qui fait 1800 euros, il faut savoir une chose, c'est qu'il est connecté plus de 100 heures. Déjà, il est plus dans la réglementation, donc ça devient hors la loi. Et en plus de ça, il met ses clients en danger. Voilà. J'étais chauffeur de bus. J'ai décidé de démissionner car j'avais trop de contraintes au niveau des horaires. Aujourd'hui, je me sens plus libre avec Uber. Uber, c'est très bien comment ça fonctionne. Une personne qui sort du Pôle emploi, elle touche l'ACRE, elle touche l'ARS. Donc ça le fait survivre pendant 6 mois, 1 an. Mais au bout d'un an, quand il doit sortir un salaire, il va vite revenir sur Terre. Il va voir la réalité des choses et il va s'apercevoir que c'est pas un métier rentable. Des jobs qui sont tout sauf des jobs précaires. Et je pense que toute personne qui dit qu'un job de VTC est un job de précaire a probablement jamais vraiment posé la question à un VTC. En fait, si on arrive à promettre qu'il y a un avenir là derrière, et ben peut-être que... Devenez taxi, les gars, devenez taxi. Là, vous êtes libre. Vous êtes libre, hein. Vous n'êtes plus esclave de personne. Vous êtes esclave de personne.